bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeau News. Tout de suite, nous allons retrouver un petit extrait de Johan, qui est champion suisse de kickboxing. Dann dürfen wir diese Veranstaltung abbrechen. Wir können nicht im Dunkeln kämpfen. De qui? Ben de nouveau de Johan. Pourquoi? Ben parce qu'il est aussi champion d'Europe de Kosiki. Tout de suite un extrait. Ton casque, t'es bien dans ton corps. Travaille le va pas au contact. Il y a bon coq à gagner. Tu vas, tu marches. Nijo! Shamen! Hey! Sempani! Rai! Atogani! Rai! Shabui Pan! Hachimi! J'ai besoin que tu m'as...
pied aussi. Shiro Chonanzuki Wazari. C'était Hachime. Technique de pied pour le challenge. Semaine sportive sur TVB, maintenant on se rend au marathon de Lausanne et c'était vu par Georgie. Tu vois le gars qui fait ses petits exercices là ? Eh ben il a rien compris. Parce que avant un marathon, avant l'effort, il faut jamais, jamais, jamais s'échauffer. Jamais. Et ici, je peux te dire que des amateurs, il y en a. Ils se la pètent. Ils se la pètent. Ce qui est bien dans le sport, c'est que ça permet à tout le monde de participer, y compris exceptionnellement certaines personnes qui peuvent sortir de l'hôpital. Et moi, je trouve ça très bien. Merci. Ah, ça fait chaud au cœur. Chacun sa queue, sa proie. Des amateurs, il y en a. Thank you.
Il y en a qui sont, ils savent pas courir. Je sais pas ce qu'ils foutent ici. Hein. Il y a assez d'amateurisme. Petit moment de détente avant l'effort. Un petit pétard s'impose. Ça, c'est du sport. Ok, je vais me reposer 5 minutes, hein. Mais 5 minutes, pas plus. On va voir si les filles vont crier plus fort. Les filles, vous êtes prêtes ? Merci aux parents de ne pas courir avec. Attention de ne pas vous encoubler au départ. 20 secondes et on va décompter les 10 dernières secondes. 10. 5, 4, 3, 2, 1. On y est. Catégorie U18. Mais faut pas me réveiller, hein. Sinon je risque de louper ma course. 7, 6. Le départ. Les enfants nés entre 1923 et 1928 sont partis pour 4 km. Champion suisse en salle du 800 mètres qui arrive également. Nicolas Repond, Lausanne Sport. Le premier des 5 départs sur 10 km. Dans 10 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deux Éthiopiens qui vont certainement voler la vedette au courant suisse, bien représentés. Et qu'est-ce qu'il y a ? Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, il faut y aller si vous bougez là. Je suis où là ? Quelle course ? Vous voulez pas courir ? Si, si, mais je vais y aller là. Ben, ça a commencé là. Comment ça, ça a commencé ? Merde ! Merde ! Mais j'y crois pas ! Je m'en fous de toute manière, je vais tous les rattraper. Je vais tous les dépasser. Bon, je vais y aller. Mais dégage, putain ! Mais tu vas pas que je cours, bordel !
Le prix des transports publics collectifs est cher, malgré la nécessité pour tous de les utiliser. Pourquoi pas des transports publics gratuits ? Pour ceci, venez tous jeudi prochain, 19 novembre à 8h15 au Centre socioculturel. Vous êtes conviés par la HB à participer à cette discussion. Kesako. Kesako, c'est un festival de films tournés montés par les enfants. Les enfants de la Bourdonnette, pendant les vacances d'automne, y ont participé. Donc je vous invite tous à aller au Centre socioculturel de Chailly, samedi 14 à partir de 14h. Allez les supporter. Dans les sorties cette semaine, nous retrouvons tout d'abord les deux combats en intégralité de Johan en kickboxing et en koshiki. Nous retrouvons aussi un court-métrage intitulé Léon qui parle de la difficulté des sans-papiers en Suisse. Les films extérieurs cette semaine, nous retrouverons un interview de Bertrand Dubout qui nous est proposé par Télé Objectif Réussir. Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition de Bourdeau News. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, à la semaine prochaine. Au revoir. Thank you.